Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Cédric Lefeur. Aujourd'hui, on va parler des accords, par exemple des cadences andalouses pour medio et des cadences andalouses pour la liba et aussi certainement d'un anatole. Alors, les cadences andalouses, on part en fait d'ici. On joue les accords comme ceci, donc mineur d'abord. Hein. Donc, ça, c'est un ré mineur. Si do, c'est un do, do majeur, si bémol, et là. Alors pourquoi on dit que c'est médio? Parce qu'en fait on attaque ici, on n'attaque pas en haut, on attaque ici, et arriba on attaquera là. Parce que là c'est, là par exemple c'est le la, quand on est sur un si bémol, eh bien, ici c'est un si bémol, cette note là, le do il est bien là, et le ré il est bien là, le ré mineur, du coup c'est comme ça. Sauf que en flamenco, souvent ils jouent le ré mineur ici, au lieu de le jouer là-bas. Et donc après le ré mineur c'est un do, il le joue ici. Le si bémol il le joue soit comme ça, soit comme ça. Et le la, il le joue en général ici. Jouer les bouliria, mais c'est ça, hein, c'est les accords qu'il y a sur la bouliria, sur la sigiriya, sur les tangos aussi à quatre temps. C'était plutôt ce que j'ai fait en deuxième. Hein. Voilà, c'est en quatre temps, mais c'est plutôt ça. Après, il y a la même cadence andalouse, mais au lieu de jouer ici, on va jouer là-haut. Et là, en fait, en jouant là-haut, on joue, c'est celle-là. Donc là, on est sur du mi, fa, sol, la. Donc là, on est sur un la mineur. La, sol majeur, fa, mi. Voilà. Donc là, tout ça, c'est. Ben, par exemple, il y a des soléas qui peuvent être là-dessus. Il y a les soléas aussi qui sont en la mineur, et en do et en fa septième, mais finalement, le fa, c'est le même que celui-là, quoi. Enfin, c'est pas le même, mais c'est voilà, c'est celui-là qu'ils vont jouer, mais c'est la même tonalité. Donc voilà, ça c'est les cadences andalouses, et il y a beaucoup de musiques aussi qui sont là-dessus, y compris des rumbas qui peuvent être soit pour le medio, soit pour la liba, soit comme on avait vu là, avec le ré mineur, do, si bémol, etc. Voilà. Bon, alors, voilà. Là c'est pour. Donc pour l'ompompom par exemple, c'est ici. Hein. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont là-dessus. Ou alors sur du medio, c'est pareil. Et après, il y a un autre truc, c'est ce qu'on appelle les anatoles en jazz, et c'est utilisé aussi en rumba souvent. Donc le plus connu, c'est celui-là, mi mineur, la mineur, ré majeur, sol, do, de nouveau la mineur, si septième, ou comme ça, et il y a deux fois les mêmes accords, mais voilà. C'est une suite de 8 accords, et en général, ça va avec des chansons qui ont soit 8 couplets, soit 8 comment on appelle ça, vers, je sais pas comment on appelle ça, soit qui coupent en deux les vers, enfin bref, je sais pas comment on appelle ça, les phrases quoi. Donc, ben là, il y en a plein aussi. Hein. Par exemple, vous avez Unamo, Unamo, reprendre parce que c'était pas bon. Mon amour, mais en fait il faut jouer avec un capot. Hein. Mon amour, mon amour, oui, mais des la parabla de Dio, Yolando Poti. Par exemple, il y a je me souviens d'un soir d'été au Sainte-Marie de la mer, toute la nuit on a dansé au son des guitares et des gitans, nani nani, c'était, on était comme des enfants, nani nani, nani nani, c'était.
il y a, y a la chanson de Kenji là. Nanina se fait lumière quand je viens dans l'instant. Nanina se fait lumière. Nanani dans un silence. Mon étoile parmi les étoiles. Mon Dieu, laissez-moi. Et aux yeux de la maman. Amenez-moi tout le reste. Mais pas la douceur de ses gestes. Nanani à chaque seconde. C'est tout à fait les paroles, mais voilà, vous avez tout un tas de chansons qui sont sur des choses comme ça, et après il y a plein d'autres plans entre guillemets comme ça, par exemple du mi avec un 6/7, il y a beaucoup de chansons, je sais pas, j'ai pas en tête, mais là-bas, mais après c'est soit ça, soit c'est les mêmes accords entre guillemets, un ré 7 et un sol. Ou alors comme ça. C'est les mêmes écarts entre guillemets. Donc voilà, soit mi 6/7, soit ré 7 sol. Et après bah, voilà, il y a plein de choses comme ça. Les mi mineurs, ils vont souvent avec des la mineurs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ou je sais pas, enfin bref, il y a mi la ré, ça arrive souvent aussi. Bref, il y a plein de trucs comme ça où on peut trouver des trucs. J'ai pas très bien formulé ma phrase. Il y a plein d'enchaînements d'accords qui se retrouvent dans pas mal de musiques différentes, y compris pas qu'en rumba aussi, dans des chansons de tout le monde, quoi. C'est une poupée, non. Ben, juste comme ça, 700 millions de Chinois, et moi. Voilà, c'est mille arrêts, il y en a plein. Bon, bref, il y a voilà, simplement pour vous dire que ben, vous pouvez vous amuser avec des trucs assez simples, et voilà. Et je sais pas si cette vidéo, elle aura été utile. Peut-être j'ai été un peu vite sur les cadences andalouses. Voilà, les cadences andalouses c'est 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on part de la quatrième note hein, en mineur. Donc soit c'est la mineur, soit c'est pour le milieu, c'est ici c'est un ré mineur. Donc soit un la mineur, soit un ré mineur. Et après du la mineur, sol, fa, mi. Et du ré mineur, do, si bémol. Et là. Donc voilà, à l'envers, donc 4 mineurs, 3, 2, 1, voilà. Ça, ce sont les cadences andalouses, et après, vous le faites avec des capots, et vous pouvez chanter comme vous voulez. Bon là, j'ai pas forcément très bien préparé la vidéo, donc du coup, ben, y a des moments où j'aurais dû mettre le capot ailleurs par rapport à ma voix du moment, ouais, parce que selon le moment, on va enlever le capot, on va le mettre au 1, on va le mettre au 2, etc. Mais voilà, le principe il est juste là, c'était juste pour expliquer. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, eh bien, c'est très bien. Bon, ça me fait plaisir. Et voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.